Et salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur les nouveaux défis de cette semaine 6, de cette saison 5 de Fortnite les gars, et je vais vous aider tout simplement à réaliser le défi étape 2, faire sauter des trous de pêche sur l'île de Lazy Lake. Ensuite, il faudra aller au lac des Canoës, et pour finir, il faudra faire sauter un trou de pêche près de Steam Stack. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Ryzen et Quimi qui font partie de la team Fatalist. Je vous rappelle qu'avec Ekart, on fait partie d'une team qui s'appelle tout simplement la team Fatalist. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Fatalist TV. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Ryzen et Quimi qui font partie de la team. Le lien des chaînes seront bien évidemment en description. Donc n'hésitez vraiment pas à aller checker. Ça leur ferait extrêmement plaisir. Donc voilà les gars, n'hésitez pas si vous voulez nous aider un petit peu à faire monter les membres de la team. Et puis sur ce, bonne vidéo. Ok, du coup les gars, on se retrouve directement en game. Et pour réaliser ce défi, on devra faire sauter 3 trous de pêche à différents endroits. Donc le premier endroit, on nous demande tout simplement de faire sauter un trou de pêche sur l'île de Lazy Lake. Donc pour réaliser ce défi, c'est hyper simple. Vous allez vous rendre près de Misty, donc juste ici les gars. Donc là, on a Misty. Vous allez vous rendre très exactement juste ici. Vous avez un petit pont et juste à côté, vous avez un bateau. Donc vous avez absolument besoin d'un bateau ou de grenades pour réaliser ce défi, sinon vous ne pourrez pas faire sauter les trous de pêche qui sont tout simplement les petits remous de poissons comme on voit juste ici. L'île de Lazy Lake, elle est juste là, voilà, vous avez Misty, vous avez Lazy juste ici, et la petite île de Lazy Lake, elle est juste là. Voilà, donc vous allez vous rendre juste ici, vous allez vous placer correctement avec le bateau en restant sur la petite île, ou du moins à côté. Là, on a un petit trou de pêche, vous allez le viser avec le bateau. Vous le faites exploser et on a validé le premier trou de pêche qu'il faudra faire sauter. Ensuite, pour le deuxième trou de pêche qu'il faudra faire sauter, on nous demande de nous rendre au lac des Canoës. Donc là, on nous dit faire sauter des trous de pêche à l'île de Lazy Lake, on l'a fait. Et là, on doit tout simplement faire la même chose au lac des Canoës qui se situe entre la ville de Dirty Heritage. Donc vous avez une petite île juste ici. Vous allez vous y rendre. Une fois que vous y êtes, vous prenez comme tout à l'heure un canot motorisé ou des grenades. Vous allez vous rendre sur la petite île des Canoës qui se situe juste ici. Vous visez le trou de pêche qui est juste en face. Donc normalement, hop, si on le touche, ça devrait valider. Et enfin, pour terminer ce défi, on nous demande de faire sauter un trou de pêche près de Steam Stack. Donc pour réaliser la dernière étape de ce défi, rendez-vous tout simplement au petit creux qui se trouve près de Steam Stack. Donc vous avez Steam juste ici, vous avez un petit creux juste ici. Et juste ici, à la pointe du creux, vous avez un bateau pour réaliser ce défi. Vous pouvez également prendre des grenades et on nous demande tout simplement de faire sauter un trou de pêche près de Steam Stack. Donc si vous le faites directement ici, ça ne comptera pas. Il faut vraiment que ça vous affiche que vous êtes dans Steam Stack. Et ensuite, vous avez juste à trouver un trou de pêche et le faire exploser. Par exemple, si vous le faites ici, pour le moment, ça ne marchera pas. Donc le mieux, c'est de se rendre juste ici, les gars. Donc voilà, pour réaliser le défi, le mieux, c'est vraiment d'être à côté de Steam Stack. Donc du coup, vous allez devoir vous rendre juste ici sur la plage de Steam Stack, donc sur la bordure juste là, voilà, soit ici soit là. Vous allez chercher tout simplement un petit remous d'eau, donc c'est tout simplement les trous de pêche qu'il faudra faire sauter. Vous tirez dessus et ça terminera le défi. Sur ce les gars, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.